Il va encore conduire pendant les 3 prochaines années la destinée de l'UJOCSI, l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire. Philippe Kla, président sortant de l'UJOCSI, a été réélu à la tête de l'Union au cours de l'Assemblée générale élective le samedi 11 décembre 2021 qui s'est tenue à la Maison de la presse d'Abidjan. Les détails avec Diane Kablankan et Koné Alphonse. Sans surprise, Philippe Kla a été réélu à la tête de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Seul candidat en lice, le président sortant à la tête de l'Union depuis 2018 a été plébiscité le samedi 11 décembre 2021 au cours de l'Assemblée générale élective à la Maison de la presse au plateau. Pendant les 3 prochaines années, il va conduire et défendre les intérêts des journalistes culturels de Côte d'Ivoire. Le président réélu de l'UJOCSI a indiqué qu'il s'attellera à continuer à réconcilier les journalistes culturels pour une union forte. Comme pendant son premier mandat, Philippe Kla a promis de lancer plusieurs initiatives afin de repositionner l'Union des journalistes culturels sur la scène médiatique face aux médias sociaux qui menacent, mais peut-être une opportunité. On retiendra que les journalistes culturels ont apprécié le travail fait lors du premier mandat. Ils m'ont accordé aujourd'hui leur confiance. Ils comptent sur moi. Et quand tu es un leader, tu vas revaloriser davantage le milieu. Prenant part à cette Assemblée générale élective, le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, a exprimé ses félicitations au président de l'UJOCSI. Mais le consensus pour pouvoir reconduire encore Philippe Kla à la tête de l'UJOCSI. Cette 6e AG de l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire était parrainée par le député de Tiapoum, l'honorable Bakary Camara, qui s'est fait représenter par son adjoint, l'honorable Emmanuel Béni. Alors nous avons décidé d'associer notre image à cet événement parce que pour nous, la culture est le ciment de toutes les relations humaines. Sans culture, comment la société ne peut pas avancer. L'UJOCSI, Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, créé en 1997, rassemble des journalistes de toutes tendances rédactionnelles confondues, radio, presse écrite et télévision. Elle a pour mission de promouvoir et défendre le patrimoine culturel ivoirien.